parti pour cette rencontre. Le Real Madrid contre RCD Espagnol. Fabio Coentrao. Pepe. Quel bon timing sur cette interception. Oh, ça peut être intéressant. Et un contact qui n'était pas régulier. Coup franc. C'est une frappe. Et le premier danger devant le but. Écoutez, il a raison de tenter sa chance. Les défenseurs ne montent pas au pressing, alors il frappe. C'est plutôt bien joué. Fabio Coentrao. Mesut Özil. Ah non, c'est perdu. Il choisit là-bas, sur l'aile. C'est passé. Xabi Alonso, il va s'occuper de ce corner. Benzema, oh, but, but pour le Real Madrid. Ça y est, ce match est vraiment lancé. Vous en pensez quoi de ce but d'Arène? Non mais qu'est-ce qu'ils font là? C'était le seul joueur à ne pas oublier dans la surface. Je sais pas moi, mais faites-vous des anti-sèches les gars. Et voilà qu'il se replace dans la course pour le titre de meilleur buteur. Ils sont bien rentrés dans ce match et ouvrent la marche très tôt. Sergio Ramos. Pepe. Et le ballon est récupéré. Isco. Benzema maintenant. Javi Lopez. Oh, quelle intervention! Cristiano Ronaldo dépossède du ballon, ça peut faire mal. Une très grande ouverture. Il peut y aller. Longue ouverture. Il n'était visiblement pas sur la même longueur d'onde que son coéquipier. Sergio Terrera. Cristian Gomez. Simão. Il remporte son duel. C'est un ballon qui n'ira nulle part. Attention, c'est une occasion. Quel but! Et ils sont revenus à hauteur. Ils n'ont jamais baissé la tête, même quand ils étaient menés. Et s'ils poussaient pour passer devant maintenant? Sa frappe est déviée, mais je pense qu'on devrait lui attribuer ce but finalement. Et ça repart du rond central, égalité parfaite. Et voilà, ils ont égalisé. On va voir maintenant s'ils gardent cette dynamique. Non, c'est trop facile pour le défenseur. Simão, il va frapper le corner, bien sûr. Il est tellement dangereux dans cet exercice. Il prend sa chance. Ah, c'était ambitieux, c'est sûr. Et à cette distance, il aurait fallu un exploit pour battre le gardien. Je peux vous dire que s'il le laisse approcher du but aussi facilement, ils vont se prendre une véritable déculottée. Eh non, ça n'ira pas au bout. Sergio Terrera. Sergio Ramos. Pepe. Et ce ballon jusqu'à l'autre aile. Xabi Alonso. Il joue dans la profondeur. Oh, ça peut être intéressant. Elle continue sa course. Encore une bonne lecture des défenseurs sur ce centre. Oh, l'interception. Longue ouverture. Il est servi. Pepe.
Mesut Özil. Benzema maintenant. Intervention décisive, il y avait danger. Bale. Colotto y intercepte. Quel exemple de concentration. Ils obtiennent la touche. Et le ballon est encore sorti. Ce sera encore une touche. Il joue dans l'espace. Voilà une passe décisive qui ne trouve personne. Quand on joue dans l'axe, il faut être plus précis que ça dans les passes. Et il est sorti du jeu. Mesut Özil. Ah, c'est pas un bon ballon. Interception. Isco. Il reçoit le ballon. Oh, ça peut être intéressant. Il frappe au but. Forlin. Simon. Ah, il peut mieux faire sur ses passes. Et maintenant Cristiano Ronaldo. Forlin. Un ballon récupéré par la défense adverse. Benzema maintenant. Forlin. Bien joué, ça peut être dangereux. Il glisse le ballon en profondeur. L'arbitre consulte son chronomètre. C'est déjà la pause, j'ai pas vu le temps passer désormais. Les entraîneurs rentrent en action. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager pour le moment. Elles quittent le terrain sur ce score, hein, partout. Et c'est reparti. Benzema. Il faut plus s'appliquer sur ses ballons. Sergio Herrera. Oh, l'accélération. Simon. Il va s'en charger, il est fort pour frapper les corners. Il la repousse. Un centre que personne ne peut reprendre, c'est dommage. Oh, cette attaque n'ira pas plus loin. Xabi Alonso. Il peut y aller. Interception au dernier moment. Moi, je trouve que c'est l'un de ces attaquants qui font vraiment peur aux défenses adverses. C'est un épouvantail en crampons. Et le ballon a franchi la ligne. Une très longue passe. Il est servi. Un bon centre dans la surface. Benzema, la frappe. Une très grande ouverture. Oh, ça peut être intéressant. Sergio Garcia. Et il prend ce ballon. Quelle présence. Oui, la frappe. C'est dégagé, loin devant. Christian Gomez. C'est bien de prendre son temps pour placer ses attaques. Il ne faut pas qu'il perde le ballon là. Elle était facile cette passe pourtant. Et c'est la première faute du match.
c'est intercepté. Tout seul. Il a tenté d'y aller tout seul, mais sans réussite. Le ballon qui passe de l'autre côté. Benzema. Oh, il est bien placé. Il préfère jouer avec son gardien. Allez, il faut qu'il retrouve son toucher. Pour l'instant, ça ne passe pas. Il y va seul. Il est sur le côté. Il dégage bien ce ballon. Il est aussi maintenant. Et un peu d'oxygène avec ce ballon dégagé. Et la touche maintenant. Ça, de l'activité sur les bancs de touche, changement peut-être. Fabio Coentrao. Ah non, c'est perdu. On est presque dans le dernier quart d'heure. Dans le dos de la défense. Oh, le duel important. Il cherche un coéquipier dans la profondeur. Oh, pourtant la passe était parfaite. Et quelle vista là, quelle vision du jeu. Et ce petit ballon piqué en profondeur. Oh, l'interception. Parvient à centrer. Danger repoussé pour le moment. Ah non, c'est trop facile pour le défenseur. La frappe. C'était une énorme occasion, mais c'est manqué. Non, mais c'est journée porte ouverte ou quoi? Il est arrivé jusque devant le but sans aucun problème. Simon. Il y aura donc touche. Oh, il continue son festival. Il est servi. La tentative de centre. Ça panique un peu là, la pression est énorme. Il a pris tout le monde de vitesse. Oui, mais il était bien enfermé. Ce sera un coup franc, bien sûr. Quel geste. Allez. Maintenant Javi Lopez. Fabio Coentrao. Il tire vers l'avant. Il reçoit le ballon. Benzema, la frappe. Il y a du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Il reste 5 petites minutes maintenant. C'est bien joli tout ça, mais quel manque d'ambition. L'arbitre ne va pas tarder à siffler la fin du match. Quel bon timing sur cette interception. Il peut y aller. C'est passé. Il n'est pas hors jeu. Dernière chance pour un centre. Le gardien est là, pas de problème. Oui, bien joué. Et l'assistant annonce une petite minute de temps additionnel. Le coup de sifflet final. Le match est terminé. Et personne n'aura réussi à prendre l'avantage aujourd'hui. C'était un match intéressant, mais à l'arrivée...